Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons sur Fallout 3. Alors pourquoi il y a une personne qui vient de se barrer? Je ne sais pas pourquoi. Donc comme je vous ai dit, on va essayer de voir si on doit continuer tranquillement par ici. Bon, attendez, je vais juste voir une chose. D'accord, ils ont continué par ici. Je ne sais pas, je vais me battre à main nue, moi. Moi je suis un bonhomme. Bon, ça va faire mal, je pense. Hein. La ville minière grouille de soldats coco. On reste ici pour le moment. Quels sont les ordres? Reçu. Nous allons attaquer l'ennemi dans la ville minière. Ouch. C'est la guerre. Mais t'as un problème toi le chien. Si encore à corps. Hein? T'as un problème hein? Ah tu veux te battre hein? Bah oui hein. Faut battre d'autiste hein. Tu veux te battre hein? Ah oui, hein. Et boum, une patate. Boum, une patate, hein. Il y a encore une patate, hein. Non. Je te massacre à coup de patate, moi. Ouais, moi je suis un ouf, hein. On récupère les munitions, bien sûr. Là je sais qu'il y a un renseignement à les récupérer qui est là-bas. On va aller chercher. Encore des éléments d'enseignement. Vous voyez que vous êtes des hommes forts. Ah, je pense que c'est justement le lieu où on doit d'abord faire les deux autres, je suppose. Allez les copains, on se dépêche. Ma foi, je vais le tuer lui. Hein. Bah, vous l'avez tué avant. Il y a du monde. Hein. Il y a aussi quelqu'un là. Donc faites très attention. Hein. Ben si, on est bien obligé. Tu t'es fait attraper, hein. Quand on se fait attraper, ben voilà, hein. On est la risée. Mais... Salaud.
Et là, on peut pas y aller. Par ici, on ne peut pas, mais par là, on peut continuer. Bon, c'est pas encore très grave si là, on n'a pas d'armes. Oui, on meurt même pas. Donc ça va. C'est pas si dangereux. Et là, ça commence. Qu'il avance vers moi là. Alette, tu me fais attaquer hein. Je vais vous renvoyer jusqu'à la grande muraille s'il le faut. Mais tire leur dessus toi. Allez sergent Benjamin Montgomery là. Voilà. Tiens, c'est du coup de poing fatal. On peut déjà y aller à l'avant-poste. Mais là j'avoue que il me faudrait quand même des armes hein. Donc avant d'aller à celui-ci, on va. Hein, on peut pas. Vous êtes sérieux? Mais je fais comment pour avoir mes armes? Bon les amis, petite ellipse le temps que je fais l'aller et le retour. A tout de suite. Et bah voilà les amis, donc tout a l'air d'être en ordre. Là on prend l'hologramme. Je pense que voilà, on a récupéré nos armes, j'ai juste pas vérifié une personne et c'est celle-ci. Eh ben, maintenant on va pouvoir utiliser nos armes. Donc, ce qu'on va prendre tout de suite c'est la fusée. Hein. Ah, il y a un couteau de tranchée. Ah, pas mal. Il est stylé au moins. Ah oui, il a l'air bien stylé quand même. Bon, alors. Là, c'est parti. Alors, moi, on va pouvoir aller massacrer les deux autres. Parce qu'il y avait encore des snipers et je ne pouvais pas. En fait, j'ai failli mourir. Je ne suis pas mort. Et, ben, ils étaient chauds, hein. Ils avaient envie de me défoncer la tronche, hein. Donc là, on était passé, mais on n'avait pas nos armes. Mais c'est pas trop grave. Allez, on y va. Au moins, là, on est équipé et on est paré pour pouvoir tuer les ennemis. Hein. Ce DLC, je vous le recommande quand même, histoire de, voilà, de bien le faire tranquillement. Là, on est vraiment sur le troisième épisode de l'opération Anchorage, qui est plutôt intéressante. Moi, j'avais bien aimé. Mais après, il me semble qu'elle est assez courte. Mais bon, après, c'est un DLC. Hein. DLC, ça doit pas durer non plus 60 heures. Hein. Je crois que ça s'unit à peu près 3 heures. De toute manière, un DLC de Fallout. En général, hein, à peu près. Après, ça dépend de votre expertise d'allégier. Ou alors la difficulté aussi que vous jouez. Là, moi, je suis en normal. Hein. Donc en normal, c'est plutôt intéressant. Ah c'est mieux hein, pour lutter contre les autres. Ben, je vous l'avoue, c'est mieux. Hein. Quand on a une arme.
Ok, bon, ça se passe. On peut aller à l'avant-poste. Maintenant, on a de quoi se défendre. Bon, d'accord. Technicien, tu meurs. Technicien de malheur. C'est dommage qu'on puisse pas récupérer quand même au moins les armes. Je vais récupérer les renseignements. Voilà. Comme ça qu'on fait de l'hermie. N'a été détecté. Par quoi? Oula. Obligé que ça soit un piège. Bon, on a pas récupéré quand même quelque chose. Je préfère faire ça comme ça. Hop, fusil d'assaut maintenant, c'est bon. On peut reprendre où nous en étions. J'aurais préféré un fusil d'assaut chinois, personnellement. C'est bien plus fort. Non, là, il n'y a rien, d'accord. Apparemment, ici aussi. Ouvrons la porte. Ils vont se calmer. Pas d'autres renseignements? Non, apparemment, il n'y a pas d'autres renseignements, on peut continuer. On tient la ville minière. On attend vos nouveaux hommes. Reçu. On est en... Nous attaquons l'avant-poste selon vos ordres. Je vous ferai un nouveau compte-rendu. Nous attaquons l'avant-poste selon vos ordres. Je vous ferai un nouveau compte-rendu quand l'objectif aura été atteint. Le dernier, et surtout le dernier bombardement contre nos gars. Grâce à vous, je vais ordonner à nos hommes de rentrer au PC de campagne. On se retrouve là-bas. Ok. Et après,
Ça nous fait tout de suite le point de téléport. Ok, bah pourquoi pas. Hein. Allez tout le monde, je vais faire... Avant-poste nettoyé. Reçu. De vous des stars. Donnez une pause héroïque. On n'a pas besoin des autres. On paye les K2. Ça ira plus vite. Avec lui, il n'y a pas l'air de pouvoir mourir. On s'en fout. Exécution des Chinois. Pas mal, hein? Le campement gelé. On attaque le campement gelé, hein? Je vois pas pourquoi tu t'arrêtes, hein. Quelques petites shots. Mince. Oui, mes petits saphirons. Qui commence à me tirer dessus. Je suis pas d'accord. Allez. En plus, on a des missiles, donc ça va cartonner. C'est la guerre. J'ai fait mal à la guerre. C'est formidable. Il y a des bonhommes de neige. Pas mal. Bon, continuons notre route. On va juste savoir où on doit passer. On peut pas passer par en haut aussi. Ah non, on pourrait pas. Quoique. On ne peut pas. Campement gelé nettoyé. Reçu. On est. Allez, faut arriver au dépôt. D'accord. Au moins, lui peut nous guider. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est cool. Cassent tous, hein. Ils ont pas, ils ont les chocottes. Hein. C'était des prisonniers de guerre. Hein.
Maintenant, on les a sauvés. Ils ne sont plus prisonniers. Ah. Ça fait mal. C'est des sortes de mines. Des drones. Allez, viens avec moi là. Allez, c'est la guerre, hein. Faut se tirer dessus, hein. Faut arrêter de se planquer, hein. Voilà. Moi, j'étais devant le monsieur. Le monsieur, il doit me tirer dessus, hein. Comme moi, j'étais tiré sur le monsieur. Attends, tu veux mourir. Voilà. Ah, ça c'est cool, des munitions, des grenades. Encore des munitions, des missiles. Et on peut pas faire dodo hein, dans l'élite compagnon. Hein. Des renseignements encore, allez. Alors il y avait eu un petit souci, hein, les amis, donc c'est pas grave, hein. Il y avait eu un petit bug, donc je me suis remis en position et là, ben, on tombe devant un char. Hein. Et ben voilà, le chat il est mort. Hein. Voilà, des munitions, un peu de tout. Je sais pas qu'on devait défoncer aussi des chats. Parce que c'est ça que je dois démolir, non? D'accord. Comment on doit placer les charges? Une petite explosion, hein. Là ça se passe. Voilà, ça se passe. Pas trop de soucis. Ok. Il est vraiment bizarre leur char quand même. Et oui, des fois ils tirent pour rien. Ils tirent dans le vide. Allez, tu vas mourir. Bon, alors, comme j'ai plus de munitions, est-ce que j'ai une autre arme que je pourrais utiliser ou pas du tout? Couteau de tranchée. Ok. Je vais juste me dépêcher à utiliser ceci.
Je sais que j'ai un ennemi en haut, j'ai un ennemi sur le côté. On va essayer de jouer le boss. Oui, c'est quand même fort. Hein. Alors. Tu meurs. Et voilà. Ça c'est bon. On va prendre le fusil d'assaut. Je sais pas, je le voyais pas. Ça devrait être le dernier. Et surtout le dernier bombardement contre nos gars. Grâce à vous. Je vais ordonner à nos hommes de rentrer au PC de campagne. On se retrouve là-bas. Ok. Donc encore une fois, hein, une mission plutôt bien réussite. Ouvrez la voie. La science à feu. Alors, je vais prendre fantassin. Ah non, c'est pas comme ça. Pas du tout. Bon, on annule. C'est pas grave. Ça aurait pu être intéressant, mais bon. On peut pas, d'accord. Hop, on va y aller. Hein. Donc là, on va l'aider dans le vif du sujet. Les... Donc il y a encore eu un bug. Hein. Apparemment, on est mal paré. Hein. Bon, on va aller tout de suite dans la tranchée. Et donc là on a beaucoup de personnes. On avance. Vaut mieux se méfier quand même. Donc là on est dans les tranchées. Voilà, là ça se passe. Encore des renseignements. Un soldat à sauver. J'espère qu'il va arrêter de bugger le jeu. Un de moins. Là, on récupère pas notre santé en respirant hein, dans ce jeu. C'est un peu compliqué. Hein. Mais par contre, des munitions ne seraient pas de refus. Ah bah, nice. Hein. Les munitions. On en parle, on en a. Hein. Là, on va certainement voyager de tranchée en tranchée en fait. C'est un sniper chinois. Un de toi sniper chinois. Ce que j'aime bien, c'est que c'était de plus en plus fort, comme vous avez pu voir. Il est tombé de 89 jusqu'à 95, quoi. Putain, c'est cet abruti. Il m'a fait peur. Hein. Faut arrêter tes bêtises, hein. Mais non, mais les munitions, il a pas pris.
pas du mode. Ah bah ça, je m'en doutais. Santé, munitions, nerve. Oh oh. Ouais, c'est méfier, hein. Ouais, c'est bon. Oui, tout à fait. Eh bien voilà! On va calmer les bonhommes. Hein. Sinon c'est pas cool. Wow. Youi. Ah oui, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir un lance-flamme, de ne pas pouvoir l'utiliser. Quel idiot. Ah oui, là c'est très intelligent. Le jeu a vraiment généré l'adversaire comme il fallait. Oh non. Des fois c'est un peu bête, hein. Vous voyez. Moi, j'espère qu'on pourra arriver tout près de cette fin de trancher. On en est où à peu près? Dans la tranchée. On y est tout près, hein, on a fait à peu près la moitié. Hein. On lui défonce la tête. Ah oui, ça va, ils ne sont pas beaucoup, hein. Ouh, là c'est lance-missile par contre, là c'est moins cool. M'a à peine touché, ça va. Lance-missile. Ça fait bobo. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On est déchiffré. À vos ordres. D'accord. À vos ordres. On prend la position et après il la garde pour toujours. D'accord. Intéressant. Unité infernale encore une fois. Ça aurait pu m'aider. Hein. Quasiment level 26, bah, ça va pouvoir être intéressant. Hein. Comme je vous ai dit, hein, 5 niveaux et après on pourra avoir pour récupérer les dernières poupées. Les dernières poupées vont être assez décisives, on va dire, pour la, bah, voilà, la fin de nos. Nos stats. Hein. Ah non, bah là je m'en vais un par contre. Y'a pas moyen, je me casse. Je l'ai esquivé à temps. Ça a failli être la mort pour moi. Il a dû mourir lui.
Oh. Ah. Là, j'avoue que ça va pas être pratique. C'est bien de tuer ton pote, hein. Allez, vas-y, viens. Non. Moi, c'est au couteau que je vais te tuer. Tu avais un lance roquette quand même. Un lance-missile, je préfère pas. Hein. J'espère que je pourrai trouver des munitions ici. Ah, cool, il y a les deux. On s'en fout, c'est pas ça que je veux. C'est tout ça. Hop. On pourrait continuer. Avec le fusil d'assaut. Bouge pas. On va se mettre comme ça pour être plus précis. Ah, vous allez mourir. Que les tourelles, ça peut faire mal, hein. Voilà. Ah oui, 50, oui. C'est pas des petites tourelles, quoi. C'était un sniper chinois. Et les SNT. J'aurais dû faire les SNT, appeler les munitions. Embêtant, normalement c'est les snipers donc. Allez, meurs. On va les tuer, hein. Mais vous allez mourir, hein. Ah, j'ai pas regardé ma santé depuis tout à l'heure, je suis en train de me la faire défoncer. Ah oui. C'est pas du jeu, hein. Ils sont pas très gentils avec moi. La tête est infirme. Le bonhomme est mort. C'est bon, on peut y aller. Ouh. Eh ben, les tranchées, c'est plus ce que c'était, hein. J'ai même plus le fusil gosse. Tu vas mourir. Et toi aussi. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Voilà. On a appelé des grenades. Et appeler les grenades, ben. On va pas faire grand chose, hein.
Soldat en armure assistée, donc là ça va bien. Les munitions, je peux les avoir où? Bon, bah je pense les amis qu'on va s'arrêter ici, hein, donc on va faire une petite sauvegarde. J'espère qu'en tout cas l'épisode vous aura plu. Bon, malgré qu'il y a eu quelques petits bugs hein, dedans. J'espère qu'on va pouvoir finir aussi quand même cette petite opération Anchorage. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures de Fallout 3. Salut à tous les amis.